Wesh le sang, il se flante ça pour une vidéo, donc je vais vous montrer un de mes guildes à l'œuvre, un petit TK flip assez sympatoche, qui est quand même pas mal en termes d'EK surbrumaine en encontrant je parle. Il tombe versus un petit SRAM qui a un Dofus Ivoire, donc on connaît les SRAM, on connaît les Dofus Ivoire, ça peut vite partir en couille ce genre de combat. Un SRAM qui spamme le réseau. Je vais pas vous spoiler le mode de ce petit TK. Mais quand même une bonne base de vitalité, donc 5100 vita, c'est plutôt pas mal du tout. Seul petit bémol, je pense qu'il ne joue pas en forge lave, et forge lave, je trouve que c'est un super bon dofus contre les SRAM, étant donné que si vous mettez dans un petit réseau, chaque fois que vous allez prendre un répu ou un sournois, ça va vous booster de 150 en points de bouclier. Donc c'est plutôt intéressant. Donc là, on peut voir qu'il a fait le TGV, il a mis la roulette, il a avancé avec double griffe de Saint-Gall, et puis il a fait le petit chaton guérisseur qui est assez cheaté en soi. Le petit chat qui te soigne autant qu'un ennemi qui te met une qu'un ennemi qui te fout une roconce, si tu as le délire. Ce chat-chat, c'est de l'abus, donc je pense que le SRAM va le clear direct. Avec un piège répu qui va déclencher, ou alors une simple peur. Si vous êtes SRAM contre les EK et que vous laissez les chatons en vie, c'est une grande erreur que vous faites, donc ne faites pas ça. Voilà, ça va, ça craint pas, il tape pas, il est sous un vide, tout ça, donc il n'y a pas vraiment de soucis à ce niveau-là. La percep qui ne passe pas. Le TGV, toujours. Ça me fait bader comment les EK, ils ont une mobilité de ouf maintenant. Avec le sort à 3 PA, comment il s'appelle? Tu vois le sort terre là qui te téléporte en téléfrag, putain. Oh, ça m'énerve. Esprit félin, voilà, putain. Maintenant, ça tape plus les alliés, donc en fait, ce qui peut te permettre de bouger encore plus facilement. Genre là, s'il veut aller de l'autre côté, il fait un esprit félin. Ou alors il fait le sort qui pousse là, Audace ou cette connerie, je sais plus comment ça s'appelle, ça fait le TGV, c'est assez ouf. Donc là, le mystère, c'est va-t-il se prendre un réseau de pièges ou pas? Telle est la question. Donc il y a moyen qu'il ait mis un mortel derrière. Moi, je serais lui, je prendrais le mortel derrière pour pas pousser le chaton qu'aucun mortel ici. Parce que autant se prendre les dégâts et laisser le chaton en vie, si tu vois ce que je veux dire. Le petit double, logique. Oh bah je changerai d'option, j'irai carrément prendre la Diago. Le chat il va mourir les gars. Je demande une minute de silence pour le chat qui va mourir. Adieu. Merci d'avoir servi hein, comme il faut ton maître. Hop. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, vous préférez les chiens-chiens de l'Eginac ou le chat-chat de l'Eka? C'est quoi que vous préférez? Donc la percept, toujours pas. Where is the SRAM? C'est ça qui est ouf quand tu joues contre un SRAM, t'as l'impression de passer ton tour à le chercher, de faire des tours à vide. C'est tellement frustrant. Parce que là, vous pouvez croire que le combat il a pas avancé, mais le SRAM il a déjà mis pas mal de pièges. Et tu connais hein, le SRAM pour l'attraper quand il est comme ça. Le temps que tu le rechoppes, il y a déjà la relance d'invisibilité, donc c'est assez relou. Hein, vraiment. C'est pour ça que j'hésite à repasser SRAM en PVP. Que ce soit en PVP 1 contre 1 ou en PVP multi, je pense que le SRAM a quand même pas mal de possibilités. Maintenant que c'est enfin, toujours un très bon érodeur, hein, dans tous les cas, ça l'a toujours été. Mais en plus, maintenant, la particularité du SRAM, c'est qu'il peut également placer grâce au double. Donc c'est assez ouf. Plus le double qui est contrôlable, donc ça rapporte un truc de must have, on va dire. Le problème, c'est que vous voyez les cas, mon petit poteau là, il est en train d'essayer de courir après les cas. Mais. Enfin, après le SRAM, pardon, mais. Il peut pas! Là, T7, dites-vous que le SRAM a la relance d'invisibilité. Il a fait T1, il a T7. Donc, il a fait T7, sort d'invi T11. Il a récupère T13. Donc, ça, c'est ouf. Ça, c'est ouf. Il a. Non, il sort d'invi T10, pardon. Il a récupéré T13. Donc, en fait, tu passes plus de temps à jouer à où est le SRAM qu'à autre chose, mais bon. On connaît hein, c'est Dofus. Il a fait un petit répulsif ici. Moi je serais lui, je mettrais une kawotte et je l'esprit. J'ai pas son temps. Tu vois, c'était sûr ça. C'était sûr. Après il a l'entrechat donc c'est plutôt cool. Il va esprit, il va audace. Regardez, je spoil, esprit audace. Bim. On peut voir des très bons dégâts. Hein. Sachant qu'il dépasse ou. Sous le sort de boost. Alors vous voyez que le SRAM là, il peut. Ce que j'adore dans ce cas, c'est Sifu, il a fait exprès de se placer là.
sachant pertinemment que mon petit pote pouvait y arriver, juste pour le réseau. Tu vois ce que je veux dire? Ah. C'est ouf. On est d'accord, c'est un truc de ouf. On est d'accord ou pas? Et là, tu te dis qu'il est mort, les cas. Mais les cas n'a toujours pas vendu la peau du chat avant de l'avoir tué, tu vois ce que je veux dire. Va pouvoir faire le chaton. Et c'est tout en fait. Il n'y aura pas d'autre sorte de régène. Sachant qu'il y a ouais, il y a encore le poison là. Du moins 53, c'est pas foufou, c'est pas famous, famous. Et là, tu te dis, t'es dans la merde, gros. Quand t'es dans son cas de figure, tu te dis que t'es dans la merde. Est-ce qu'il joue un Dooku? Ah, le Mistigri, mais c'est bien sûr. Il a pas le temps. Le mec, il s'est créé un réseau. Il avance quand même. Oh, j'adore, j'adore. Après, dans un sens, c'est pas con. Moi, je me serais contre-coup de base et j'aurais mis une KWAT pour récupérer 100 soins en plus. N'oublie pas que le Mysticry va le re-soigner au tour d'après. Et puis après, il aura plus la relance. Donc en fait, il va re-récupérer 10% de sa life. Donc on peut voir quand même, il y a une putain de régène sur ce TK. Le SRAM qui va taper, il vide les runs, c'est bien fait. Il va continuer à taper. Mais ne t'invite pas, gros. T'as vraiment beaucoup de chance de te faire choper là. 5 PM. 5 PM à compter du répu. Il y a vraiment moyen qu'il se fasse choper. Vous avez vu quand même la régène, elle est propre. Hein. Putain. Oh, il a trouvé. Non, il a pas trouvé. Donc l'odorat, elle est très bien faite. Dans le sens où ça l'oblige à savoir qu'il n'est pas vers là. Vous regardez. Tu sais qu'il n'est pas en haut. Donc le G1, il a 5 PM, il va être vers le bas. Tu vois, c'est. Voilà. Donc ça, que c'est ça que je dis que le SRAM a mal joué. Je ne comprends pas. Ouais. Ok. Des putains de dégâts de barbares, de fous furieux, de la mort qui tue. Après la vidéo, je vais lui conseiller de mettre quand même le forge là avant. Est-ce qu'il y a notre réseau? Ouais, du 1005 encore. Ça fait mal de se prendre ça. Donc là, il va faire le TGV. Après, le problème, c'est qu'il a été érodé. Donc ça, c'est plutôt pas cool. Il va faire une flamiche et un coup de cac. Logique, classique, propre, net, sans bavure. Mais après, il y a des putains de dégâts aussi, ce SRAM, je trouve. Un petit labement, c'est pas plus con. La régène du cac qui passe bien en soi. Mais même les dégâts sont ultra, ultra monstrueux. 1800 Vita sous Ivor contre un SRAM qui est en 12 PA. Il va faire le piège d'Imo. Quand un SRAM commence à piège d'Imo, piège mortel, je te dis qu'il se sent pas trop serein, le mec. Hein. Sachant que là, normalement, mon cher pote a la relance du Mistigri et du chat. Donc ça devrait être plutôt cool. 3004 de vie contre 3006. Que va-t-il se passer? Donc l'odorat, il a pas son temps. Il a vraiment pas son temps. Attends, qu'est-ce qu'il fait, gros? Il a pas le time. Qu'est-ce qu'il fait? Attends, dis-moi que t'as la. Non mais mec. Je sais pas, chance-toi, frère. Chance-toi, t'es foutu. Mais wesh! Il a pas le temps, il s'en bat les couilles! Ah, y'a le deux coco qui tombe. Non, il joue pas un deux coco. Eh, il a pas peur, hein. C'est un narvalo. C'est un narvalo, mon guilde. Ah, piège mortel, piège sournois, concentration, peur, hein, ça passe. Hein. Non, ça passe pas, putain. Archi tendu. Ah, ouais, mais il joue de manière tellement bourrine. Je sais pas, fais ton mistigri, fais ton chat, spam les joueuses à travers le mur. Je vous sais, frérot, t'as rien à prouver. Hein. Ah, le Mystigri, il est là. On adore. Ah, vous voyez? Là, mon gars, c'est la. Comment ça s'appelle? Le truc à la télé, il y avait les os là. Enfin, c'est ma famille de la jungle, voilà. Ma famille de la jungle. Le contre-coup, je pense qu'il n'était pas vraiment nécessaire, étant donné qu'il est sous Mystigri et qu'il a deux chats sur le terrain. C'était vraiment pas nécessaire, je pense.
Et la petite caouette là, par contre, là j'ai dit oui. Là, la caouette, j'ai dit oui. Dans tous les cas, le SRAM à la relance T13 hein, de l'invisibilité. Donc, je vais dire T13 et 20 vie. Parce qu'il a fait T1, il a récupéré T7. Donc, il a fait T7, il a récupéré 6 tours après, donc T13. Je le dis au cas où. Hein. Eh, c'est pas de la triche. Je suis un coach mental de PvP 1 contre 1, les gars. Putain, le Mystigri quand même, c'est un truc assez. Assez fort, hein. Je sais pas ce que t'en penses, frérot, mais. Moi, je serais toi, j'avancerais en faisant. Oh, nickel, merci de le piège sournois. C'était cadeau. 1, 2, 3, 4, 5. Non, tu auras pas la PO, frérot. Là par contre j'ai pas compris pourquoi il y a eu trèfle et détrèfle. Si quelqu'un a des explications, je suis preneur. Je joue une compo EK au DWS mais j'ai pas suivi. Parce que attends, 20 dommages là. Ah je sais pas. I don't understand my friend. Donc là prochain tour il a la relance en vie le SRAM. Le comploteur qui est plutôt cool pour baiser la ligne de vue. On adore. La roulette PM. La roulette PM, c'est ce qui va faire la game, les gars. La roulette PM, on adore. On adore un peu moins. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Ah, il a fait le TGV. L'entrechat. Griffe Saint-Gall. Audace et griffe de Saint-Gall encore de nouveau. Non, la petite perception, il joue safe. Quand il s'est éloigné de ses deux chats, je suis pas très fan là de mon petit pote ce qu'il a fait. Parce que là, il va se prendre un double fourvoiement. Logiquement. Refais-le. Je sais pas. Je pense pas que le chose trap en fait soit vraiment utile dans ce cas de figure. Je trouve que le double héros aurait été beaucoup plus worse. Dans le sens où vous mettez 30 d'héros ou 40 si tu crites. Je crois si je dis pas de conneries. Ça fait 20% de crit si je dis pas de conneries, attention. Aurait été mieux qu'un petit chasse-trap en fait. Parce qu'après quand tu sors d'un vide, tu fais AM, AM, chasse-trap, c'est terminé. Si tu le pièges un petit peu en étant un vide. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Pouce bleu si t'es d'accord avec moi, pouce rouge si t'es pas d'accord. Parce que dans tous les cas là, en fait, il va se faire soigner. Le mec il est sous un vide, il va essayer de le spot et puis c'est tout. Dans tous les cas, je savais. Putain, il détecte là 100? Il y a une roulette. Il y a une roulette ou quoi? Ah non, c'est buggé, d'accord. C'est buggé. La percep, dommage. Regardez, là, il va prendre encore du 600 de soins. C'est cadeau, les gars. Et dans ma compo, ouais, au DW, j'ai Eka Zobal. Et mon Zob, imagine, il a 6006 de vita. Regarde, lui, il a plus que 3 de vita. C'est-à-dire que le chat, il me soigne du 660. 10% de la vita, en fait. C'est pas ouf, s'il te plaît. 10% de la vita par coup de soin. Sachant que quand il y a 2 soins, je me tape du 1006 de... enfin, du 1002 de soins. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Après, je vais lui demander combien il a de code. Comme ça, vous saurez un combat de combien de code c'est. J'espère que ça vous aura plu. Ça change. J'aime bien regarder des matchs et les commenter. C'est mieux que quand c'est moi qui joue, étant donné que je peux poser mon cerveau et me reposer. Tu vois le délire? Et j'emmerde les connards qui diront que j'ai pas de cerveau. À bon entendeur. Le Mystigri qui passe bien. Là, il faut qu'il joue safe. Oh, il a spot. Il a spot. Merde, merde. Oh! La contre-coup, elle est worst. Ok. 884 de vie à faire, ça va être fait, je pense, incessamment sous peu. Les chats, c'est la muraille de Chine, frère, ça n'empêche de réseauter. Eh, je pense que mon petit pote, il m'a gagné! Ouais! Après, je vais pas vous bluffer, c'est le premier combat que je vois de lui, je sais que c'est un mec chaud, je me suis inspiré très très largement de son stuff pour stuffer notre EK au DWS. Et je peux vous dire, Kena, il y a des moments, ils vont plus reconnaître leur joueur après s'être fait rouler dessus par notre EK.
On adore. Moi, chez toi, je lape mon frère. Mais je joue de loin, mais comme une tepue. Mais vraiment. Lapement de la main, j'en ai rien à foutre. J'ai pas ton temps. Ou pile ou pilou, enfin, tu fais un truc de loin, ouais, frère. Bien joué. Face ou pile. Ça existe, ça? Wouah. Putain, faut que je me mette à jour, moi. En tous les cas, il a invité 13, il a la relance T19. Ouais, y a... Voilà. C'est important, même si je compte les SRAM, dites-vous que c'est tous les 6 tours l'invisibilité. S'il a fait T1, il récupère T7. S'il a fait T7, il récupère T13, T13, T19. Sauf s'il a la cape de classe, auquel cas c'est 5 tours le délai. D'accord? Sachant que l'invis dure 3 tours. Donc s'il a la cape de classe, il a juste 2 tours à tenir sans invis. Je sais pas si j'étais très clair dans mon explication. Donc là, on peut voir le TGV à l'œuvre. Tut tut. On adore. Oh mec, il me fait peur à m'avancer, à s'avancer comme ça, frère. Parce que normalement tu win. Ou... Ouais, mais c'est un réseau, mec, t'es baisé dans tous les cas, donc fais gaffe. Je me serais pas mis là. Je me serais absolument pas mis là du tout, en fait. Je le sens moyen. Oh là là. Va-t-il mourir à la fin comme ça? Comme un vieux chat de gouttière, ou va-t-il être un chat persan? En gros, le chat de gouttière, c'est les chats des rues, les chats persans, tu connais dans l'Égypte, tout ça. C'était des chats qui étaient kiffés. Le suspense est à son paroxysme, je crois que c'est ça qu'on dit. Attends, j'essaie de faire le mec qui s'est commenté de ouf, tu vois. Ouloulou, le SRAM il est en train de bégayer, il fait une cruauté. Oh là là, qu'est-ce que c'est cruel. Le petit comploteur au KLM. Et je peux vous annoncer d'ores et déjà. Oula, ce bégaiement. La win de mon petit teammate qui va tout simplement faire une griffe cingale, un entrechat, aller là et de défoncer comme never. Un esprit félin, je voulais dire, pardon. Enfin, tu m'as compris, bro, ça va. Je joue pas sur les mots. Allez. Allez. On adore. GG, mec. T'as 800, gros. C'est rien pour toi. Hein. T'es dans le turfu comme garçon. Oh, par contre, si tu le finis pas. Allez. Pile, pile. Face, face. Ciao, ciao. Ouais, mais pas une heure à jouer comme ça. Tu m'as fait trop peur, gros. Ouais, voilà. À plus, tout le monde, c'était Flansouille. Enfin, Flansouille pour les intimes. Sinon, les autres, c'est Fansa. Allez, ciao tout le monde. Je regarde juste ta cote. T'as combien de cotes, BJ? Plutôt sympatoche, quand même. Hein. On va aller voir juste ta cote. Cote de bœuf. Cote 4700, c'est plutôt pas mal. 4700, ouais. Plutôt correct en soi, je trouve, pour un EK. Je sais pas la moyenne, mais c'est plutôt correct. Allez, bien joué à toi, Ophel. Et à plus tout le monde.